Anouchka Delon, malheureusement privée de la possibilité de passer le réveillon de Noël aux côtés de sa famille, a néanmoins eu l'opportunité de rendre visite à son père, Alain Delon, avant la clôture de l'année. Durant cette rencontre, elle a choisi de lui exprimer une déclaration d'amour particulièrement émouvante. En juillet 2023, les enfants d'Alain Delon ont formulé des accusations à l'encontre de Hiromi Rollin, la dame de compagnie de leur père, les accusant de harcèlement moral et de détournement de correspondance. Mais Christophe Ayella, l'avocat des enfants d'Alain Delon, a déclaré en juillet 2023 « Je suspecte un abus de faiblesse et je compte sur l'enquête pour l'établir ». Depuis l'accident cardiovasculaire de M. Alain Delon intervenu en 2019, cette femme qui s'est installée chez lui se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard et à l'égard de ses enfants. Par la suite, lors de son intervention sur le plateau de l'émission 7 à 8 sur TF1, Anouchka Delon affirmait que la dame de compagnie avait manifesté le désir de bénéficier de l'héritage de l'acteur. En date du vendredi 24 décembre au soir, les proches d'Alain Delon et l'acteur lui-même ont organisé une réunion afin de partager un repas et d'effacer les mauvais souvenirs de cette année éprouvante. Malheureusement, Anouchka Delon n'a pas pu être présente à cette occasion. Anouchka Delon a été contrainte de passer par l'hôpital, comme elle l'a révélé le 26 décembre sur son compte Instagram en publiant le message suivant « Joyeux Noël quand même et vivement l'année prochaine ». Deux jours après le réveillon, elle partageait ces mots. Finalement, la jeune femme semble avoir quitté le centre hospitalier et a partagé un moment précieux avec son père. Elle a publié sur son compte Instagram une photo les montrant ensemble. Alain Delon est en train de lire le journal et elle l'enlace avec un grand sourire aux lèvres. En légende, Anouchka Delon cite les paroles de la chanson « You Got the Love » de Candy Staton. « Parfois, j'ai l'impression que les choses deviennent si difficiles et que les choses tournent mal, quoi que je fasse. De temps en temps, j'ai l'impression que la vie est tout simplement trop dure, mais tu as l'amour dont j'ai besoin pour m'en sortir. » Une belle manière de dire à son père qu'en dépit des difficultés, elle peut compter sur son amour pour lui remonter le moral.